Les odeurs, c'est mon métier. Donc, on utilise des tas de matières premières. On en a plus de 3000 dans notre laboratoire qui nous permettent donc de faire de la création de parfums. Mais là, effectivement, le sujet a été un peu plus compliqué puisqu'on nous a demandé donc de créer l'odeur du P. J'ai reniflé plus d'un millier de P avant de synthétiser la bonne odeur. Et on a trouvé donc ces éléments olfactifs dans l'univers des arômes alimentaires. Des odeurs de choux, d'oignons, de chorizo que l'on a réussi donc à harmoniser. Mais nous sommes arrivés donc à cette création qu'on a appelée P numéro 3.